Ouais. D'accord. Donc la save, elle se fait dans le cloud en plus. C'est-à-dire que c'est lié à mon compte Steam. Oui, parce que je n'ai pas dit, ce jeu est gratuit sur Steam. Hein. C'est ça qui est cool. Oh, zut, j'ai pas vu. Il manque du propagone. Oh. Oh, je suis tenté. 30 millions. Je l'active très peu. Donc je me dis, c'est peut-être pas con. Je l'active vraiment à la demande. Donc autant que ce soit le plus haut niveau possible. Bon. Moi je dis le oil. Et après on va exporter du oil à volonté. Pour le fun. Alors, toc 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 niveau. Ah les piles. Ah bah oui, en augmentant ça, les piles c'est pas bon. Faut que j'améliore mes piles. Apparemment, je peux créer des trains et des missiles nucléaires arrivés en moi. Et apparemment, il me faudrait du propergol. 12 millions pour du fer, du bois, du propergol, des chaussures. Ça me produit combien de 200. D'accord, ok. À niveau 10, c'est 200. Excusez-moi. C'est 200 de production. Alors que par exemple, un niveau 4, c'est seulement 44. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est difficilement comparable, hein. Les piles, j'ai dit. On améliore. Les piles, il me faudrait. Ouais, 76 millions quand même. On va augmenter progressivement, mais. Je produis combien? 75 par seconde et tout ça m'en consomme. Bah, ça m'en consomme. Ouais, ça m'en consomme 50. Ouais, je suis juste quoi. Maintenant, je suis juste quoi. Ouais, 9 piles d'écart. Bon. Il manque un niveau quoi pour équilibrer. Le v'là. Je suis juste en consommation. Bah, j'ai pas de pénurie, mais je suis juste, hein.
J'ai que 30 de surplus, hein. 17 de surplus. Ça chute même jusqu'à 17 de surplus. Et c'est chaud, Moi, je me poserais quand même la question, c'est de mettre un... Mettre ici un... Comment? Un entrepôt. Pour centraliser les verres, les piles, les semi-conducteurs. Ça centralise en fait tout simplement les trajets. Et seulement après, c'est envoyé à la... au centre d'échange. Est-ce que là, par exemple, vous voyez ça là? Est-ce que ça pourrait être économisé en faisant ça? Ah, quoi que non. Hein. Si, parce que ça serait centralisé, parce que tout serait centralisé. Je me pose la question en fait. J'en sais rien. Pe peut-être, hein, honnêtement, si en fait je centralisais les trois ressources là, semi-conducteurs, piles et verres, dans un entrepôt, et que c'est l'entrepôt qui se charge d'envoyer au centre d'échange, ça résoudrait peut-être les trois soucis. Hop, un nouvel arrivage, toc, 19 millions. Des chaussures, du verre, des planches, du fer. C'est bien, on enchaîne les commandes. Et ça, c'est bien. Ça c'est bien, ça. 217K pour de revenus. C'est bien, c'est bien. 60 millions. Moi, je suis en train de réfléchir, mais ça coûte combien un de plus? 186 millions. Qu'est-ce que j'améliorerais? Continuer à améliorer le. Ou alors on part sur une autre source. Combien ça coûterait? Je pourrais. Là, le bois, là, je peux le passer à x10. Bing. Et après, on vend des planches, on vend. Voilà. On les vendrait en fait. On les vendrait sur le marché. Parce que ça, par exemple, ça coûte rien à part un petit peu de gasoil, mais ça coûte pas plus de gasoil, quoi. Le niveau fait pas consommer, enfin, ça fait consommer plus d'énergie, mais pas plus de gasoil. Donc, en soi, là, quoi. Est-ce que les planches, est-ce que j'ai l'homme ici? Non, je l'ai pas. Hop. Toc, 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 les planches. À quoi que les planches, c'est la cinquième ressource la plus chère, hein. Si j'augmentais encore d'une vente automatique, ça vaudrait le coup. Putain, les jouets, c'est abusé par contre la vente, quoi.
Moi je dis on va améliorer, on va améliorer l'export. Hop, voilà. Alors, prochaine vente, 1 minute. Après il y a le gaz, hein. Le gaz, j'ai toujours été un petit peu serré sur le gaz. En vrai, j'améliorerais bien. Il me faudrait combien? 42 millions pour mettre celui-là en x5? Je pense qu'on va faire ça. On va économiser jusqu'à 42 millions et on va passer au moins un extracteur de gaz en x10. Enfin, au niveau 10, quoi. Ouais, allez, 10 secondes. Ouh, 36 millions. Il y a un peu de tout. Hop. Donc nous disions 42 millions, c'est ça? Et bah c'est parti. Va augmenter un autre. Pas mal tout ça. Et ça y est, l'énergie, bien sûr. L'énergie, mais c'est pas grave, on va cramer du charbon et puis ça marchera très bien. Le charbon, ouais, bon, ouais, le charbon, ce serait bien que je passe à un autre. Non, charbon utilisé. Alors celui-là, ça me coûterait 42 millions pour le faire passer en. Ouais. Alors, est-ce que je peux exporter une ressource que j'ai abondamment? Je pourrais vendre des planches en vrai, hein, c'est pas. Ou les chaussures. Attendez, on va partir par le bas. On va partir par le bas. Bon, le pétrole c'est mort. Je vais le garder quand même en économie. Le gaz. Le gaz en vrai, je pourrais en vendre. Hein. J'en ai 200. Ouais, mais le truc c'est que voilà, si vendre, je veux bien, mais je suis. Yep. Ouais, je peux vendre que 26K là, de ressources là. Donc, allez, on va vendre 26K de gaz, mais. Hop. 35. Allez, on va le vendre à 50. Ça vaut rien en plus. Ça vaut rien. En vrai, combien j'ai dit 100. Ah, je peux en vendre quand même 100, si 180K quand même. Ouais, allez, 190K. Donc 190 9 millions. Allez, vas-y, ça part. Un truc. Ah, ça dépend de la ressource. Ah bah oui, mais là faut le dire tout de suite. Il est où les dés? Ouais, donc là, ok. Pétrole brut, ok. Les piles, c'est une blague. Les planches, c'est une blague. Le proper gold, bon bah voilà, hein. Les semi-conducteurs, ça vaut rien. Le silicium. Si, si, on peut en vendre un quoi, quand même. Et le verre. Ouais. Je peux vendre un cas de silicium. Je peux. En vrai, je peux. 2K, ouais. Allez, hop. 2000. C'est pas ouf, mais voilà. Bon.
Nouvelle commande que je peux remplir pour 19 millions. Alors je disais, c'était quoi la ressource que je voulais up up absolument là. Je disais le charbon, je crois, hein. En vrai, il y a tellement de trucs. Ouh, c'est plus rentable ça. Ouais, alors ça, bon, voilà, hop, pour 8 millions, hop, je peux le mettre. Mais il est plus rentable, lui, il est... Il me coûte de l'argent. Bah, si tu veux, bon... Je suis en train de perdre en bois, donc je vais améliorer mon bois. Voilà. Mais ouais, il est moins rentable, lui. Bon. À voir, hein, c'est pas... pas grave, mais... Ok. Quoi? Ce bâtiment est affecté par... Ah, d'accord, ok, y a des actualités. Toute sortie de chaussures augmentée de 5%. D'accord, ok. Bon. Si tu veux. Bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ok, il n'y a rien d'autre que je peux exporter. Ouais, non, mais de toute façon, je viens de faire un export, donc c'est mort, je vais pas pouvoir en vendre des quantités intéressantes. Le silicium, je galère. Vu que le silicium, je galérais. Ah, j'ai des soucis d'énergie? Attendez, j'ai des soucis d'énergie. Il me faudrait 25. Il faudrait 20 millions. Il faudrait 20 millions pour résoudre en grosse partie mes problèmes d'énergie. Bah, bon, après, voilà, c'est pour. Et en vrai, il me faudrait. Ah non, il faudrait que je relance cette raffinerie, je pense. Si je relance cette raffinerie. Que devient mon oil? Mon oil chute dangereusement. Donc de toute façon, voilà, ça va être on va se réaxer sur le oil. Il me faut des piles. Il me faut des piles et donc il va falloir que j'arrête temporairement d'en envoyer. Et je vais envoyer des chaussures à la place. Minutes, bon, 6 minutes pour faire un 4 piles, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Les 20 millions chez eux. Voilà, je vais plus entendre parler de problèmes d'énergie. Hein.
Alors ensuite, toc. Ici, il me faut combien? 29 millions. Les voilà. Alors, on va juste relancer l'export. Attendez, on va réorganiser ça. Hein. Alors, les jouets, le verre, les piles et les chaussures. Parce que les chaussures sont plus avantageuses que les semi-conducteurs maintenant. Le propergol, je le garde. Je suis désolé, mais je le garde. Hop. Je disais donc ici, 29 millions. Ici, pile poil ce qu'il faut. Et ici, il me faut 36 millions. J'en suis où niveau. Oh là là, mon charbon. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Donc le charbon va être une priorité là. 33 millions. Il me faut 33 millions pour le charbon. Bien, bah écoutez, on est pas mal développé en vrai là. Alors, je suis limité à gauche. Eh, la carte est assez limitée en fait. Hein. Là, je suis au maximum là, en haut à droite. Et là, je suis au maximum en bas à gauche. Donc en vrai, la carte est pas si grande que ça pour pouvoir s'étendre. Bon, je me sentais pas à l'étroit non plus, hein. Mais c'est pas. Voilà. On s'approche de cette fin de tournage. Pour être franc avec vous. On va attendre le prochain drop. Le prochain. Voilà. Mais sinon. Allez, 13 millions. Presque 260K de pognon qui rentre par seconde. Ça va, c'est correct, c'est correct. Il me refaut des piles. Il me refaut des piles. On va juste attendre ça. Et on va. Hop. On ça. Ah, et puis d'accord. Donc j'ai une transaction qui a été acceptée. Et ici, il me faut des piles. J'ai 10 minutes pour faire des piles. Bon, j'ai moins de 10 minutes parce que je vais devoir quitter le jeu avant. Il y a lui là-bas. Ouais, c'est bon, mon charbon. Le charbon, je suis bon. Bon allez, j'ai compris. On va désactiver les jouets pour le moment. De toute façon, j'ai de quoi toujours exporter pour le moment. Mais c'est pour aller plus vite avec les piles.
Ça va. Et j'ai pas vu. Pour 41 millions, ouais, c'est presque 42 millions. Ouais, bah oui, bon. Allez, voilà. Donc, ça, on réactive. Et ici, on arrête les semi-conducteurs pour renvoyer les piles. Voilà. Et donc, je disais ici, le charbon, bing, x10. Le fer, ici, on peut le mettre en x10 aussi. Ici, ça passe pas. Ah, 8. Bon, voilà. Tout ce secteur-là, on va vraiment l'optimiser à fond. Mais en tout cas, j'ai... Ah, non, le silicium. Le silicium, je manque. Je manque de silicium. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Donc, il me refaut du silicium. Le silicium, j'en consomme pour le verre, les semis. Le verre et les semi-conducteurs. Il y a du silicium là-haut. Il est un peu loin, mais il est là-haut. Sinon, j'ai là, qui est plus proche du... Pour le silicium là, mais... Vas-y, on va... Non, on va prendre celui-là. Après, celui-là, il est peut-être plus proche quand même. On n'a pas de règle. C'est ça qui est bête, c'est qu'on n'a pas de règle pour voir vraiment qui est le plus proche. Voilà, on va prendre celui-là. On va prendre celle-là. Hop, silicium. Après, c'est con, hein, j'avais du silicium, j'en avais en dessous là. Mais c'est pas grave. Hop, 5, 6, 7, 8, voilà. Hop, et j'ai encore une commande que je peux honorer pour 52 millions. Hop, tiens, silicium x10. Ça, content. Hop, le fer ici, x10 aussi. Et ben, il est pas mal tout ça. Moi, je dis, c'est pas mal. Est-ce que je peux... Lui par exemple. Non, 9 seulement. Bien. Mais écoutez, sur ce, je vais mettre fin à cette première session de tournage ici. Et je pense qu'on va continuer. Honnêtement, on va continuer cette série parce que ce jeu me plaît. Ce jeu me plaît. C'est pas si, enfin, ça devient un peu répétitif, mais on s'ennuie pas. On est toujours actif. Donc moi, c'est le genre de jeu qui me convient personnellement. C'est tout con, hein. C'est niveau graphisme, il n'y a pas grand chose, mais il y a beaucoup. Voilà, il y a de la mécanique, quoi. Il y a de la mécanique de jeu. Faut gérer ses exports, faut gérer ses nouveaux bâtiments. Tiens, d'ailleurs, il y a des nouveaux bâtiments. Je vais pas les prendre maintenant, parce que sinon j'ai oublié que je peux les prendre. Oh là 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 là, oui, d'accord, ok. Guitare, batterie, dynamite, papeterie. Voilà, on peut faire ces bâtiments-là. Il y a aussi l'usine d'écran qu'on peut faire. Voilà, il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments qu'on peut faire. Écoutez, sur ce, j'espère que cette première session de tournage vous aura plu. Pour vous, peut-être qu'on est en plein milieu d'un épisode. Vous savez, hein, c'est comme d'habitude. Je tourne pendant 3 heures, peut-être 4 heures, et après je découpe les épisodes en session d'une heure. Et donc, bah, sur ce, bah, je vous dis soit à tout de suite, soit à l'épisode suivant. Moi, je fais une pause ici. Bien, donc, nous nous retrouvons pour moi donc le lendemain. Tac, tac, tac. Alors, déjà, je vois qu'à la Banque centrale,
Je peux cliquer sur ça. Je sais pas. Ok, d'accord. Donc c'est. Ouf, ouf. D'accord, ok. Donc ça c'est le, c'est visiblement le ce qui s'est passé. Comment? L'argent accumulé hors connexion. Vu que je n'ai pas lancé le jeu depuis hier. Hein, depuis quand je vous ai quitté, j'ai fermé le jeu et je viens de le relancer là, avant de relancer l'enregistrement. Donc vraiment, il y a eu 2 secondes voilà, que vous avez raté, mais c'est pas. Voilà. Je vois qu'ici, ce n'est plus rentable. Mais on va quand même augmenter de x5. Donc voilà, donc ça c'est le vert. On va profiter aussi les batteries. On va mettre en x10. On va profiter. On a 1 billion. On va reprendre vraiment ça. J'ai beaucoup de choses qui sont devenues. Voilà. Alors, on avait dit la priorité, c'était. Alors, il y a le gaz, parce que le gaz, j'en ai besoin pour l'énergie. Donc on va juste augmenter le gaz aussi. Mettre tout au max. On va profiter donc de cette nuit de sommeil pour tout ce qui est voilà tout ce qui était pour pouvoir mettre au maximum à niveau les ressources. Hop. Je dépense, hein. Je dépense, hein. Je. Hop, hop, hop. Allez, ici aussi. De toute façon, tout ça, ça ne consomme pas plus de gasoil. Le silicium. Le silicium, j'avais dit. Alors, il y avait. Il y a ce silicium-là hein, qui a. Bon, allez, hop, on va le mettre au max. J'avais pas fait une autre. Si, là-bas, l'autre silicium là-bas, évidemment. Les jouets, les jouets. On améliore. J'ai des soucis d'énergie. Donc, pour le souci d'énergie, est-ce qu'éventuellement consommer plus de gaz me fait pas peur. Donc, éventuellement, voilà. Allez, on va passer niveau 20 pour le gaz. Oula. J'ai beaucoup de choses qui sont en négatif et je ne sais pas pourquoi. Alors attendez. Ok, les piles, j'en consomme trop. Enfin, j'en consomme trop. Ok, d'accord. On va commencer de toute façon par le haut de la liste et puis on va redescendre au fur et à mesure. L'aluminium, le charbon, c'est une hécatombe. Donc charbon, charbon, tac, tac. Est-ce qu'il y a... Il y a une autre mine là-bas. Donc on va tout de suite la créer, la monter niveau 10. Ok, et on a tout de suite une nouvelle commande qu'on ne peut pas honorer à cause du silicium. Et qui n'augmente pas, qui n'augmente pas. Donc il va falloir augmenter encore une. Visiblement une mine de silicium. Ou en créer une autre. On va. Est-ce que du silicium? J'en ai ici. Je le crée plutôt ici. Hop. Est-ce que là ça suffit? Ça augmente légèrement, mais pas de ouf. Qu'est-ce qui consomme du silicium? C'est le vert. On va désactiver temporairement le vert.
pour pouvoir remplir cette commande. Voilà. Hop, c'était ça qui consommait énormément de silicium. L'aluminium. L'aluminium est un souci. De l'aluminium, j'en ai là. Alors, où est-ce que je peux en extraire un peu plus proche? Apparemment, ici, hein, ce serait le mieux. Non, le mieux, ça serait celui-là. Aluminium. Pendant que j'ai le chat qui râle derrière. Hein, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Mais oui, miaou. Voilà. On peut l'améliorer aussi x9. Ok, super. Ok, super. Donc pour le moment, on n'est pas trop trop mal. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre hein, qui. Le verre est plus trop rentable, donc en vrai, on va plutôt vendre des semi-conducteurs. Et à la limite, quitte à faire ça, autant pour le moment, parce que j'ai des soucis de silicium, désactiver le verre. On va désactiver le verre temporairement. Il faut que je regarde. Qu'est-ce qui manque? Alors, attendez. Hop. Alors, on exporte des jouets, des piles, du semi-conducteur et des chaussures. Les chaussures en soi, bing. Parce que du plastique, j'en ai à plus quoi savoir quoi en faire. Et puis, puis voilà. Donc ça c'est bon. Éventuellement, on peut maxer l'entrepôt. C'est quelque chose qui peut se faire. Ouais, j'ai pas fait attention, ça pourrait être aussi amélioré. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui me manque là? C'est quoi ça? Plastique. Ah, le plastique, d'accord, j'en produis pas assez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les chaussures, c'est pas. Voilà, c'est parce qu'on en exporte, mais c'est pas le meilleur des exports, quoi. C'est. Voilà, quoi. Du propergol. On va devoir produire du propergol. C'est juste le temps de remplir cette commande. Oh mais. Hé! Excusez-moi, hein, je sais pas ce qu'il a. Alors, ouais, problème avec le plastique. Hein. Et justement, je me disais qu'une troisième raffinerie me ferait pas de mal. Mais une raffinerie un peu plus éloignée, une raffinerie. Voilà, là par exemple, j'ai pas mal de oil. La raffinerie, elle est un peu loin. Hein. Ouais, on pourrait faire une raffinerie. Ouais. Remarque, on la ferait. On va voir. On va voir où est-ce que le jeu nous conseille de mettre une raffinerie. Ici. Le jeu nous conseille de mettre une raffinerie ici. Donc on va le faire. Et on va mettre. Alors pour le moment, on va la désactiver, il n'y a pas de souci. On va. Voilà, hein. Mais en fait ici aussi on va mettre des puits de pétrole et on va voilà tout ça on va faire des puits de pétrole pour alimenter cette raffinerie. Qu'on peut tout de suite monter niveau 10. On peut monter aussi quelques puits niveau 10. Ce qui est une bonne chose. Je préférerais améliorer celle-là tout de suite. Mais bon. Allez, hop.
Ah. Ça y est, on atteindrait notre limite. Allez, on a dépensé tout l'argent qu'on a récupéré au cours de la nuit. Hop. C'est pas grave, hein, le pognon va réaugmenter. Et puis de toute façon, voilà, on a tout ce qu'il faut. En oil, ouais, en oil, on augmente de 1K. J'ai 1 million de oil, je pourrais même en vendre. Je suis sûr que je peux en vendre. Et, parce que voilà, j'ai une surproduction. Le marché, c'est là. On va faire ça. On va vendre du brut. Il vaut rien. Il vaut rien, mais on peut en vendre 4 millions. J'en ai combien sur moi déjà? Oui, j'ai 1 million sur moi. On va peut-être pas vendre 1 million, mais on va faire le point sur. En fait, le lien. Je peux le faire là, le stock. Admettons l'acier. L'acier, ouais, bon, voilà, j'ai. J'ai 7K d'acier, mais en soi, on s'en fiche. L'aluminium. L'aluminium, je peux en vendre 100K, hein, sans problème, d'aluminium. Voilà, je vais vendre 100K d'aluminium. À. Combien, 147? On va dire 150. Ça fait 15 millions. Voilà, on va déjà vendre ça. Donc ça, c'est aluminium, du bois. Du bois, j'en ai 200K. Je peux aussi en vendre 100K sans problème. Pas à ce prix-là, par contre. On va le mettre à. Donc, juste un petit peu au-dessus. Mon 8 passe mal sur mon clavier tactile. Ouais, bon, 8 millions, c'est pas ouf, mais voilà. On va dire. Hop, on va automatiquement accepter ça. Acier, bois, charbon. Le charbon, pas ouf, hein, je crois. Hein. Ah, 200K. Ouais, mais. On va le garder. On va garder le charbon. Les chaussures, j'ai 600K. Je peux en vendre 55K. Allez, hop. 55 000 à. Du marché, donc voilà. Donc ajouter quoi? Ah, je peux faire que deux demandes à la fois. Oh là là, encore une limitation. Je peux pas augmenter ça. Je peux pas payer pour. Bon, on va voir. Hein. J'ai ça qui part, mais voilà. On peut avoir quelques sources de revenus. À la limite, je vais annuler le bois pour mettre ça, hein. C'est plus rentable. Hop, allez. Voilà. On va vendre des chaussures. Hop, on va attendre que tout ça, ça parte. Ok, ensuite. Donc ici, oui, j'ai une commande en attente qui peut être honorée. 13 millions. Donc 13 millions, donc je peux maximiser ça. Celui-là. Et celui-là, l'augmente un petit peu. Faudrait aussi que celle-là, j'améliore. On verra. Combien de temps? 30 secondes. On avait d'autres bâtiments. On avait d'autres bâtiments à déverrouiller. La papeterie, l'usine de dynamite, tout ça. Ouais, on s'était quitté là-dessus hier. Usine de propagol gazeux. Ça prend du gaz naturel. Ah! Alors ça, c'est intéressant. Et dans ce cas, il faudrait qu'on exploite plus de gaz.
Ça serait cool. Bon. Nouvelle commande. Il nous faut des piles. On va donc arrêter d'en exporter temporairement. On va arrêter l'usine de jouets. On va arrêter l'usine de jouets le temps de remplir cette demande. Bon, on a 5 minutes pour ça. Et donc, on va faire. Alors, on va faire dans l'ordre. La papeterie. On va commencer par ça. C'est tout simple. On va la mettre à côté ici, si on peut. La papeterie, ici. Ici, il nous recommande de la mettre là. Il n'y a pas plus proche. Il y a là. Et là, on est plus proche des arbres, tout ça. Donc, on va se mettre ça pour la papeterie. C'est un rouleau de PQ. Bon. On va tout de suite le mettre x10, comme ça on s'en fiche. Et puis, on va voir combien ça se vend. Est-ce que ça, c'est toujours pour honorer? Et le papier, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Donc pour le moment, désactive. C'est juste, voilà quoi. On sait que ça y est. J'en désactive hein, régulièrement des trucs parce qu'ils sont pas assez rentables. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Et pareil, hein, les planches en vrai. Ouais, sauf qu'on m'en demande régulièrement. Hop, c'est bon, je peux réactiver mes jouets. Mon verre s'est désactivé, mais... Ah oui, parce que j'avais besoin de silicium arrivé à un moment, mais hop, voilà. Donc la papeterie, c'est bon. Ensuite, on a l'usine de dynamite qui me demande du bois, du pétrole, du charbon. Ouais. Une usine de batterie, mais c'est pas ce que je fais là. Usine de piles. Ah non, d'accord. Il y a l'usine de piles et l'usine de batterie, qui sont deux choses différentes. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi? C'est l'usine de dynamite hein, que j'ai débloqué. Usine de dynamite qu'on peut créer ici. Ça, il me faut du bois qui est à proximité. Du charbon à proximité et du pétrole, j'en ai à proximité, donc hop, allez, c'est parti, puis on va en profiter, lui on va le mettre au niveau 10 tout de suite. Lui niveau 10 tout de suite et on va voir un petit peu la dynamite si ça s'exporte. Bah, pas ouf hein. Pas ouf. Bon, c'est susceptible d'augmenter, alors on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Est-ce que ça me met dans le bois? Ça me met dans la sauce. Donc on va. Enfin, ça me met dans la sauce. Bah non, pas tant que ça en fait. En fait, ça va. On va juste faire un point sur les ressources tout de suite. J'ai toujours les piles, hein. Les piles, c'est un petit peu ma difficulté. Il me faudrait 3 billions pour monter niveau 10. Ou alors je crée une autre usine. Pour le moment, on va laisser comme ça. On va laisser les piles un petit peu descendre, hein, c'est pas grave.
On va. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui. Oh là 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 là, j'ai pas vu. Le charbon, le bois. Si, si, le bois, ça chute trop. Le bois, ça chute beaucoup trop. Est-ce que je peux. Ouais, là, attendez. Hop, là, j'ai une autre forêt. J'ai une autre forêt, donc on va l'exploiter. J'ai éventuellement une autre ici, si jamais j'ai besoin. Parce que là, bah, parce que là, j'ai pas, je suis pas encore à l'équilibre. Donc, bah, c'est parti, hein. Voilà. Niveau bois, je suis pile poil à l'équilibre. C'est un peu con. J'avais pas. J'ai une autre forêt là-bas. Cette forêt-là est plus proche de mon de ma mine, donc on va. Hop. Et après il y a le charbon. Le charbon, va falloir que je refasse une mine quelque part ou que j'augmente une mine niveau 20 ou quelque chose comme ça, parce que là c'est juste insupportable. Le charbon. Le charbon, est-ce que j'ai une mine de dispo dans le coin? Oh là là, tout là-bas, tout là-bas. Là-bas. C'est loin, tout ça, c'est loin. Là, j'ai trois mines. Je peux mettre un entrepôt pour pouvoir. On va faire ça. On va faire ça. Je vais mettre un entrepôt. Que je peux mettre. Attendez, j'ai un charbon là. Je peux mettre le charbon ici, y a pas de souci. Non, c'est à la place d'une mine de fer. On va éviter. Donc on va la mettre là. On va mettre le. Ouh. On la met un peu plus loin, on la met là. Là, ça fait un petit peu loin, mais ça va. Ici, puis ah bah là-bas, elle est carrément loin, mais non, on va mettre là. On va mettre là. Et après, le trajet, ce sera là. On va mettre l'entrepôt ici. Et on va faire des mines de charbon. Alors, j'ai deux commandes. Celle-là peut être remplie. Celle-là, il me faut des piles. Donc, il va falloir que j'arrête mon usine de jouets. Désactiver. J'ai combien en stock? J'ai 200K et. Ouais, bon. Même pas, j'ai 600K de jouets, donc enfin j'ai 6 de non non j'ai 237K de jouets. Ouais bon bah on va laisser un peu chuter hein. On va laisser un peu chuter le temps que les piles remontent hein, parce que c'est là c'est un peu un enfer hein.
Voilà, ok. Et donc d'ici, je peux ajouter une route vers... Qu'est-ce qui consomme le plus? Je crois que... Bah, vers les piles en vrai. Comment je peux enlever? Enlever. C'est pas très intuitif. Hein. Le mot enlever là, c'est une action et c'est du même niveau que le reste. Alors c'est pas terrible. Moi je me pose la question. Parce que là j'ai pas mal de mines de charbon qui sont un peu loin. Si je refais un entrepôt. Genre ici. Et je centralise toutes les ressources pour après les distribuer dans les mines en fait. Histoire que ce soit centralisé. J'avais cette idée-là déjà il y a avant, mais plus je me dis c'est pas déconnant en fait. Donc on va faire ça. On va faire un entrepôt ici. Une nouvelle commande qui peut être honorée. Ok. Et là, j'ajoute toutes les ressources un peu éloignées. Ouais, ça centralise un petit peu les ressources en fait. C'est pas plus con en fait. Hop. Ouais, faudra vérifier. Faudra que je vérifie au montage, mais je crois que je consomme moins de carburant d'avoir fait ça parce que toute cette zone-là, résultat, est centralisée. Là je suis à 380, ouais 350 contre 384. Ah, j'ai quelques chutes. Ouais, alors ça par exemple c'est peut-être pas utile. Mais en soi c'est pas grave parce que ça centralise tout le charbon en fait, donc c'est pas grave. Non, en vrai, c'est pas déconnant d'avoir fait ça.